On est parti avec Habi. Un saut dans le passé. Voilà. 4 ans plus tôt, la petite Abby, qui était un petit peu moins stock, mais qui avait déjà Papa? une belle carrure, dirons-nous. Et loup de pater. Moi, j'ai un chat dans la gorge là. Mimi. 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 Il joue à cache-cache. Hein. Arrête un peu avec ça. Oh putain, la meuf s'est jetée dans la boue, what the fuck. Je sais pas. Non mais mercredi prochain! C'est fada, Zenik. Dans une semaine. T'es complètement you-you. Je suis paumé, what? Je joue depuis 30 secondes, je tourne déjà en rond. Y'a rien là. Par ici. Bah non, pas par ici. Du coup, l'annonce des streams Genshin, c'est quoi? C'est vendredi, samedi, je sais pas. L'annonce des persos dimanche ou lundi. Donc on va reprendre un peu les lives Genshin, les 30 heures. Ouais, je suis parti complètement du mauvais Papa! côté. Il y a un écureuil. T'es où? Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, bah, je vous invite à regarder les 13 premières heures du Let's Play pour comprendre où on est. Parce que bon, après moi je connais le jeu, donc. Mais c'est vrai que se retrouver à jouer Abby après avoir passé 13 heures avec Ellie, sachant que le but d'Ellie c'est de se venger pour buter Abby, se retrouver à jouer la petite Abby que tout le monde déteste, c'est un peu particulier. Bon, il est pas là le papa. Tant pis. Qu'est-ce que c'est? Le Zoo Light Festivals. Il n'y a pas de S. Ok. Lundi, ouais. Ok. Mais je crois que les inscriptions, c'est pour les streamers, c'est un peu avant Zenik en théorie. Je crois que c'est vendredi ou samedi. Il est parti où hein? Y'a un chat? Oh, y'a un chat! Le petit chat. Bon, le zoom ici. Ah, voilà. Il y avait un petit chat. On a que ça, rien. Je voulais juste checker. Bonsoir. Wow. C'est pas vrai. Non, c'est Abby sans H. Je sais pas pourquoi je dis Abby. C'est pour troll. C'est l'enfer de jouer Abby. Enfin, en vrai. Le jeu raconte quelque chose, donc y a un délire. Ça a marché. Là oui, je peux pas y aller. Hein. Hop! J'espère que Neliel il a rattrapé tout le let's play pour comprendre. On peut pas C'est passer qui par là. Abby? Comment ça, c'est qui Abby? Ouais, qui Abby, hein. C'est drôle, hein. La mode à petit prix. Ah, une pièce. Visez-moi ça. Attends, elle collectionne les pièces? Je me rappelle plus. C'est parti. Peut-être qu'elle collectionne les pièces en vrai. Et pas les BD comme. Enfin, ce serait un peu bizarre. Hein. Qu'est-ce que je fais avec ça là? What? Je vais quand même pas aller sur le toit. Si? J'en sais rien, je sais pas ce que je fais. Non, t'as rien rattrapé. Nayel, est-ce que tu connais l'héroïne de The Last of Us? Son nom. On va faire le test ultime. Hein. Bon papa t'es où là? Papa où t'es? C'est le cas de le dire. Mais qu'est-ce qu'elle fout sur un glace, toit? Abby. Nelly. Le cul dans la boue. Ellie, bravo Nelly. Abby. Ça c'est le. Tu as de la papa boue d'Abby. Un peu partout chérie. On a aussi. Où ça? Juste là! Oh! Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête! C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi. Y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors? Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et on rentre. Je te le promets!
D'accord, mais on se dépêche. Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger. Il est fafa, le papa. Mais j'ai l'impression que, ouais. Comment tu sais dire, je le reconnais, mais bon. J'ai déjà joué au jeu, ouais, mais il a mordu la mèche, je sais c'est pas, ça. Il n'est pas incarné par un acteur qu'on a déjà vu ailleurs. Je comment t'as fait pour qu'il parle? Je lui ai demandé. Elle a dû traverser l'aire de jeu. Hé, hey, regarde un peu ça. Oh, waouh, 1978. Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Allez, à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Alors, marché conclu. Je te crois pas du tout. C'est vraiment mal me connaître. Allez, viens, on s'y remet. Papa. Détends-toi. Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Qu'est-ce que... Non, rien. Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Plus que d'habitude. Oh mon Dieu. Depuis quand t'es au courant? Un petit crabe. Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là. Et d'un coup, c'est vous êtes sérieux. C'est très touchant. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre plus gentil avec moi, désormais. Et donc, tu profites de la situation? Moi? Jamais. Abby, regarde. Une trace... Des traces récentes. Attends un peu. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage, par hasard? Je ferais jamais ça. Et ça marche? Ben, j'ai retrouvé ta trace. Oui, mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Waouh. Ça t'arrive donc d'écouter. T'as des éclairs de génie, parfois. On va voir si on peut trouver autre chose. Comment ça, trouver autre chose? Ok. Le mec adulte avec Ellie. Pas encore. Cherche encore. C'est-à-dire Joël? Oula. Ah, c'est... Oh. Bon appétit, bien sûr. Papa, j'ai trouvé quelque chose. Cette placenta, c'est quoi, oh, ça? C'est pas vrai. Elle a déjà mis bas. Ça fait gerber. Regarde. Deux paires de traces. Oh, my fucking god. Papa? C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. Non, elle souffre. Bah, c'est là où je regardais, en fait. Vraiment visionnaire. Abby. Allez. Papa, attends. Et s'il y avait des infectés dans le coin? On craint rien ici. On s'en craint. Ils peuvent être n'importe où. T'as ton flingue avec toi? Évidemment. Alors, je ne fais pas de soucis. Mais merde. Abby. Qu'on la libère. Tout va bien, du calme. T'en fais pas. Pas te faire de mal. Tout va bien. Merde. Elle est vraiment coincée. Ok. Abby, viens ici. Tiens. Je vais la tenir. D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Doc, vous êtes là? Par ici, Owen! Mais... S'il te plaît, viens m'aider à la tenir! Ah, tire un pipi! On a besoin de vous! Owen! Tiens là! Allez! Attention. En 4 ans, il a pris 10 ans. Ok, tu la tiens bien? Ouais. Ok, à toi de jouer, Abby! Mais doucement! Putain de merde! Tout le monde vous cherche. Attendez! Papa! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Allez!
On a fait du bon boulot. Doc, la fille est arrivée. Quelle fille ? Celle dont Marlène parle tout le temps. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais faut que vous alliez voir. Papa. On y va. C'est là que tu comprends que ça parle d'Ellie. C'est relié au cerveau, on n'a pas d'autre choix. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non ? Non, je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça ? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis ? Ou t'as déjà pris ta décision ? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Abby ? Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités, tout ça serait justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu ferais ? Abby. Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène. Fais-le. Merci. Je vais prévenir Joël. Pourquoi ? Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. T'as pris la bonne décision. J'aurais voulu que tu m'opères. Oh, les enfoirés, ils nous font jouer la scène. Putain. Mais à chaque fois, je crois que c'est là. Putain, je me fais brain par cette putain de porte. Au secours! Quoi? Ah non, c'est une deuxième porte. Je suis fada, moi. Putain, il est encore dans les parages. C'est... Abby. Non! Abby, regarde pas! Là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé.
Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais? T'as vu ma gueule? Je l'emmerde, ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge! Recule. Tu te calmes. Ou quoi? Recule, putain. Calmez-vous. Jordan! Tu vas me péter. Stop! C'est fini. Abby? Oh. Du calme. Bonsoir, mieux pour vous. Ça va pas, Abby? Ouais, ça va. Et toi? J'espère que t'as eu le temps de revoir la mort de Joël. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi? T'es sérieux, là? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi, là, tout de suite? Ouais. Vamonos. Ok. Allez, Abby, se bouge le fiac. Du coup, on revient au jour 1, qui était donc parallèle à... J'ai le cou en vrac. Au fait, merci de m'avoir laissé la chambre hier soir. De rien. C'était qui, cette fois? La fille qui cuisine? Non, celle de la météo. Elle a quitté sa montagne. Oh, la télo, alors. Sympa. Ouais, sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et... je sais plus quoi. Et ça valait le coup? Oh, carrément. Je peux mourir heureux maintenant. Tu m'étonnes. What? Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. J'arrête pas de me dire la même chose. Je me rappelle pas cette discussion. Oh, les petits bouts de chou. J'aime pas les gamins, mais quand ils ferment leur bouche, ça va. Puis s'ils disparaissent au bout de 3 secondes. Elle aussi. Un gentleman sait tenir sa langue. Waouh. Là, c'est quoi? Ils apprennent à faire des cultures. Infection, check. Toy cleanup. Piano, recital. Ok. Je parle à mon père 2 secondes. Tu me prends à manger? Ouais, d'accord. Prends-moi un truc con picante. T'auras ce que t'auras. Con picante? Nora Blanc espagnol. Observons ce PNJ qui a fini de déplacer cette chaise. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Okay. Il y en a du peuple. Je sais pas, la bouffe, on la prend là, j'imagine. Content de te revoir aussi, Abby. La plonge. Hey, ah, lui. Je t'avais pas vu. Il vient avec nous. Il joue à la PS Vita aussi. On doit aller à la base avec Manny. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est peut-être la même PS Vita. Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. Prends le matos et on ramène tout le monde à la base. Sérieux? Ouais, j'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça, ouais. Faut que j'y aille. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. C'est drôle parce qu'on sait qu'il est mort. Pardon. Il joue à quoi cette fois? Wipeout? Non. Qu'est-ce que c'est? Attendez, j'arrive pas à voir. C'est à l'envers, monsieur, là. J'aime pas jouer avec toi. J'arrive pas à savoir si je vois. C'est pas vrai, pas ça. Ce jeu, c'est que de la chance. Qu'est-ce que c'est? Alors pourquoi j'enchaîne les victoires? Je reconnais pas le jeu. T'es là pour ou pas? Vu que t'es presque un gamer. Bah, je sais pas, on dirait que c'est un jeu de course dans la lave. Est-ce que c'est pas un niveau bizarre de Ratchet & Clank ou une connerie comme ça et du coup j'ai pas la ref? Ou Jack and Dexter. I don't know. Hey, toi les aiguisés souvent tes couteaux. Ils ont de la viande. Ah, et tu utilises quoi? Le truc, c'est de la viande. C'est qu'on commande du pain à tes plats. J'ai l'impression
God of War. Mais t'as vu, on aurait dit une séquence où... Il y a une séquence comme ça dans God of War? Où tu glisses sur de la lave? Quoi? Je sais pas. Y'a quoi au menu? Des burritos. Encore. Ok. Ah, c'est bien des burritos. Abby, qu'est-ce que tu fais? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Et dis donc, tu pourrais faire la queue? Putain, Manny, ça se fait pas. Excuse-moi. Attends ton tour, comme tout Désolé. Le monde. Désolé. On doit aller au front, ok? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois? Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Mel. Manny. Il est où ton sac? Dans la chambre? Pourquoi tu me fais ça, hein? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins? Ouais. Et elle est d'accord? Ouais. Oui, bien. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non? Et peut-être parce que j'articule mal? Allez, arrête un peu d'être parano. Mais le gras est tout seul. Ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Mais... Non. Ouais. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censé faire comme si rien ne s'était passé? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle... Elle tue des scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, nous. Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi, d'accord? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Tout graille. Toc, toc, toc. Qui est là? Prépare tes affaires. Je vais chercher Mel. Ouais. Sois gentil. Va chier. Une scientifique, hein? Ah. Elle range même pas ses affaires. Bravo la scientifique. Ils sont pas mal dans leur petit stade. Toc toc. Alors, t'es prête? Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service? Pour l'instant. Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je préfère rester active. Et Owen est d'accord? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Hé. Hey. Essaye encore. Ah bah sans la doudoune, oui, ça se voit tout de suite qu'elle est enceinte. La petite Mel, là. Elle était à combien là? Je suis pas un spécialiste. 7 mois? 8 mois? 6 mois? Et qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est juste une patrouille de routine, t'inquiète. Et ça t'embêterait d'aller voir mon père à ton retour? Il a l'air. Je sais pas. Mal en point. Comment ça? Pour qui dit what the fuck? C'est vraiment le S qu'elle crève comme une grosse merde, Karl. Elle peut tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'antalgique. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section. Ouais, 96. Mais. Moi, je trouve que leurs morts, elles sont c'est hardes. Sympa. C'est plein de jeunes parents. Vous devez être impatient. Je trouve que c'est bien foutu, hein. Quand tu vois qu'Ali, elle pète les plombs et ça la rend limite malade derrière. Je me prépare. Tous ces mioches qui braillent. Owen doit devenir dingue. Il a encore rien vu du tout. Il est en patrouille avec Danny. Tu vas me dire qu'Owen, il méritait. Après, il est un peu con. C'est elle, Alice? Je reconnais pas Alice. On emmène Alice. Elle joue à l'intérieur. Super. Alice, tu vas la chercher? Yes. Et c'est le sens aussi qu'elle meurt Alice au Néoporo? Hein? Eh, hey, ma belle. Salut, grosse bête. Hey, voilà ma préférée. Donc, c'est la première fois dans le jeu qu'un chien essaye pas de nous grailler. C'est incroyable. Hé, hey, Al. Tu veux voir les camions? Allez, on y va.
Bon. Oh, salut, Grizzly. Bon, ok, mais juste parce que... Je fais un rebond pour le faire une fin. J'en appelle. Il regarde 2 heures après. Bravo. Oula. J'ai pas été de glisser. T'es soufflé chier à faire des poils et tout. Enfin, tu veux te faire un câlin ou... Un câlin. Monsieur Killmayer. Ouais. Ah, c'est bizarre, quand ils essayent pas de bouffer Ellie, ils sont plus adorables. Va chercher. Il casse pas les couilles comme le chien du voisin. Il en a caressé, c'est tout. Mais c'est pas... Des moutons. Je t'ai pas aperçu avec Jane hier soir. C'est possible. Quel tombeur. Qu'est-ce qu'elle fait en ville? Un truc pour Isaac. La vache, elle est apparemment elle en profite pour qu'elle. Ça a l'air de lui plaire. Tu l'entendrais parler de Cumulus. Au moins, elle a des pattes. De se battre, elle. Alice. Je trouve pas que ce soit un avantage. C'est quoi ce chien? J'aimerais bien lui échapper. Salut. Et juste soigner des familles. Ils ont été modifiés. Ça te manquerait de plus bousiller de Scar. Non, je crois pas. Oh, c'est une pièce. Moi, ça me rendrait dingue. Mmh. Salut, Pat. Hey. Pat. Salut Pat, comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Le petit gun. Y a quoi comme bagnole? Le petit fusil. Ah, prenez la Auto. S24. Je vais genre que je connais quelque chose. Mais je crois pas que ce soit un fusil comme. Oh, elle a des flèches qui viennent de pop. Tu signes. Attends, c'est pas une arbalète qu'elle a elle? Ah, parce que là, du coup, je viens de récupérer tout mon stuff, je sais pas. Que ta vie soit longue. Et ta mort soit rapide. Et ta mort, hein, que ta mort soit rapide. Et ouais, elle a pas les mêmes trucs. Bon, je suis tout à zéro, d'accord. Elle doit faire des surins. Elle a pas d'explosifs à mettre au sol en mode piège. J'ai encore des gélules à ramasser, apparemment. Mais pas qu'un peu. What the fuck. Ok. Elle a pas plus de PV? Je crois qu'elle a un truc de PV de plus que Ellie. Ouais, c'est une arbalète et ça c'est quoi? On me dit pas que c'est un lance-flamme à la con. Si, c'est toujours la pire arme du jeu ça, le lance-flamme. Alors les carreaux d'arbalète, je sais pas si je peux les récupérer. On va rester avec ça. Ah, et c'est elle qui a l'espèce de... Ah, je peux pas viser. Je crois qu'on peut zoomer un peu avec son... Son gun là. Je vais peut-être m'échauffer un peu. C'est-à-dire? Eh, et si on se faisait un petit concours? Le perdant nettoie l'appart. On joue gros. Le meilleur sur un chargeur plein? Ok, cabron. Cabron. Toi. Je sais pas viser en fait, je suis sur PlayStation, hein. C'est pas ma faute. Hein. Ça commence quand? Ça sert à rien. Let's go, je l'ai battu. La prochaine fois, je prends ce flingue. Ouais, c'est le flingue qui fait tout. Oh, d'ailleurs, il y a une tonne de vaisselle à faire. T'es pas cool. Oh, tu peux plier mon linge aussi. Ok. Peut-être enlever le truc des oreilles, là, non? Les mecs partent avec. Faut qu'on aille à la base. Oh! Oh! Je suis plein! Oh, je suis plein! Ah, mais je suis plein de patou! Nul! Bonne nuit, Wada Corp! J'ai pas fait de bon rêve. Oui, oui, c'est qui le genre? J'espère que t'as bien monté, chevreuse. Non, toi aussi, tu m'as manqué. Vamos? En avant, les enfants. C'est l'heure de la balade. Hey!
Hé, Alice va devant. Mel est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous pourrez papoter. Pas subtil. Il fait son choix entre les deux chiennes. Et c'est ce que Riggy pourrait. Gracias. T'arrives à dormir en ce moment? Pas trop. Tu veux que je te trouve quelque chose à la pharmacie? Non, ça va. C'est pas grand-chose. Non, j'ai juste besoin de me fatiguer un peu. J'ai pris plein de missions supplémentaires. Toi et Owen? Comment ça? Non, rien. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'ils sont un peu sortis ensemble, Owen et Abby. Vous allez où? Aux deux. Comme camion S24 au secteur 2. Que ta vie soit longue. Du coup, elle est enceinte d'Owen, ouais. On a perdu une écloserie? Ouais. Et vous avez prévu de la reconstruire? Non, Isaac dit que c'est pas une priorité. On pêche pas mal de saumon sauvage. Tu voulais dire quoi pour moi et Owen? Je l'ai pas vu depuis 2 semaines. Il arrête pas de prendre des missions. Tu lui as parlé? Il t'a dit quelque chose? On se parle jamais. Enfin, je le croise au réfectoire, mais... c'est vite l'un l'autre. Jackson l'a marqué. Tu sais, c'est peut-être que ça. Oh, oh. Embuscade! Accrochez-vous! Mais, laisse-moi! Tirez les Wolves! Attendez! Ouais. Et on fait quoi dans la vie? Oh, et on fait pitot là! Oh. Rapprochez-vous! Il fallait sortir de lance-flamme en fait. Putain, mais. Putain, mais. Je suis une grosse merde, je fais 2 balles pour les tuer. Comment ça, y'a un mec derrière? Mais putain, arrêtez de bouger, au secours! J'ai pas tant de vie, ça m'énerve. Mais putain, il se prend 3 balles, il bouge debout, rassurez-vous. On n'a pas le temps de. Les gars que j'ai pris du coup. Je pars, je suis comme une merde. Allez, on va sécuriser la zone. On va suivre aussi, madame, ça ne dérange pas. Ouais, mais j'ai rien en fait. C'est quoi ce délire? Alors là, des cartouches incendiaires apparemment. Ok. Bah limite j'aurais peut-être préféré jouer au pistolet là, ce qu'elle avait ça pue la merde, c'était ça hein. Plus caca ton truc madame. Après on peut voir, on peut viser, ouais. C'est pas grave, ça en mettra. Ah, une pièce. Oh, ça se casse pas, nul. Et ouais, elle a pas de couteau du coup la miss là. Hey, Abby. Attends, je me balade. Qu'est-ce que je fais là? Vous compris. Je crois que je cherche un peu trop. Elle y va pas. Mais pourquoi ils ont fait un truc où tu peux aller, y'a rien? Quoi? Je sais pas.
pas chercher à comprendre. Alors. Que dalle. On aurait peut-être pu rester dehors. Non, ça va aller. Ah, les grenades, elles prennent 3 ressources. Ah bon, d'accord. Ah mais c'est encore ce fucking monstre. JPP. Il est partout. Ah. Une arme au corps à corps, ça peut être pas mal. Même si c'est un vieux bout de bois. Il y a plein d'endroits où se planquer là-dedans. Non, ça va. Du coup, l'arbalète c'est discret, je ne sais pas. Est-ce qu'un carreau d'arbalète c'est plus costaud qu'une flèche ? I don't know. Oh non. Mais le lance-flamme, c'est quelqu'un, non ? Mais non, ah, je me trompe de touche ! Pas d'arme. La recharge. Beurre et utile. Je sais même pas si c'est vraiment jouable le lance-flamme. C'est que c'est pas du one shot du coup. Est-ce qu'il va me voir ou est-ce que je peux essayer de le choper? C'était pas 3? Ah, l'autre est là-bas. Ok. On va. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va dégager. En plus, on sait qu'il n'y en a pas d'autres. C'est bon. Ça les a paramétrés. La voie est libre. Parfait. C'est vachement mieux que de picoler en gardant la télé. Hop, ce sera peut-être mieux, yes. Non. Much better. Du coup, on va par où, Manila? What is that shit? Observez. Hé, hey, regardez là-haut. Okay. On voit de la lumière. C'est peut-être une sortie. Je vais monter pour voir ce que c'est. What? Comment ça tu vas monter? Comment ça tu veux quoi? C'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh, une vache. Pourquoi il y a une putain de vache ici? Je dois aller où? Mais genre, il y avait vraiment des gens installés là. Ouais, les pilules avec elle, il y en a besoin. Attends, en île, il y a quoi là? Non, c'est déjà fait ça. Ok. Vitesse de déplacement. Bien besoin d'amélioration ici. Vitesse de déplacement. Vitesse de déplacement à terre. Sur un supplémentaire. Ouais, j'ai pas... Je l'avais pas beaucoup up à l'époque. Peut-être parce que j'ai moins exploré avec elle, je ne sais pas. Je peux pas non plus explorer vraiment davantage. C'est quoi ça, là? Le mec qui saute, il y a même pas de... Fada, le type. Bien bon!
Au pire, c'est très bien. Non, comme ça ils arrivent. Coup de hache. Derrière toi, attention. Des tapes, le bon. J'ai une hache, je m'en sers. Ah! Un tracker derrière en fait. Je suis pas dans le truc là. Ah! J'arrive pas à bouger. Putain, cassez-vous là. Une planque de merde. Ouais. Oui, oui. C'est une planque de merde. On va sortir d'ici. Il y a un à ramasser en plus. Je viens de claquer 1 milliard de balles, à peu près, hein, j'arrondis. Pour looter une demi-paire de ciseaux. Foutez de ma gueule. What the fuck. Je suis un peu paumé là, en plus là. C'est quoi cet entrepôt hein? Dis-moi au moins que j'ai trouvé, je sais pas, une batte ou un truc. Pour compenser tout ce que j'ai perdu. D'accord, il me donne rien. Super. Ah si. Un petit bout de bois de merde qui me permettra de tuer un, voire deux infectés si j'ai la chance. Incroyable. Eh oui, elle a aussi ses armes améliorées. Je crois que j'ai trouvé une sortie. C'est vrai qu'Eli, on était à fond. Donc ça fait des heures que je trouvais plus de ressources. Mais bon. Je pense que le lance-flamme, j'y ai pas touché. En général, j'aime pas trop cette arme-là. Ça a toujours été le cas, hein. Quel que soit le jeu, c'est toujours un peu de la merde. Hop là. On va essayer de tout monter si on peut quand même. Hop. J'ai pas trouvé un bout de tissu. Hein. C'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Bon, je crois qu'on va pouvoir y aller. On check un peu là s'il n'y a pas un truc qui traîne en plus. La réponse est non. Rien de plus. Okay. 43 minutes, je joue déjà. Mais Manu. Ouais. Je suis là. Honneur aux dames. Dans un mois, je passerai plus du tout. Vas-y, Abby. Bah, parce que tu fous là. Tu me plais bien. Il est giga enceinte, il est pas là. Oh, petite fleur. C'est mignon. Ok. Abby, ça me rappelle la serre de ton père. Je vois pas pourquoi. Les plantes sont pas crevées ici. Okay. C'est pas faux. Vous savez quoi? C'est peut-être une bonne chose. Vous aviez besoin de ça pour vous rapprocher. Ouais. La ferme, mamie. Vous voyez, ça marche. Est-ce que t'avais besoin de le verbaliser, Jean-Jacques? Ils ont de Fingso. Hop là. On laisse rien, on ramasse tout. Attends, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Hein. Tout a été dévalisé. Les petits caddies. Oh. Petite pièce encore. On a trouvé une autre. Mais il y a une touche pour observer la pièce directement, mais comme j'ai pas le tuto, en fait, je sais même pas quelle pièce c'est. Enfin, quelle touche c'est, pardon. Peut-être plus tard.
sert. Un petit établi le jeu peut-être. Histoire de dépenser toutes ces pièces ramassées avec amour. Bon, je crois qu'il y avait un truc au-dessus, mais non. Ouais. Nope. Du coup, je dois monter sur la bagnole ou pas du tout? Je sais pas. Oh, attends, c'est pas fini. Ah, explosif plein. Ah ouais, mais ça me crame. Vas-y. Je peux pas faire de heal, mais vas-y. Au moins, on a des grenades. Enfin, des. Ouais. Elle, pour le coup, c'est des vraies grenades, c'est pas des bombes. Comme Ellie. Ok, tester. Mais faudrait que je trouve de l'alcool pour me heal. Là, j'ai zéro heal. C'est pas mal ça. Enfin, j'en ai genre un. On va pas pisser bien loin avec ça. La base est droit devant. Pas de car en vue. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. Continue. Bon sang. Vous vous souvenez quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par les stars? Tu regrettes l'époque de la trêve? C'était la belle vie, hein? Un peu trop belle. On leur a fait confiance. Et ils ont pendu toute une escouade. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on a... Ah, je sais plus pourquoi c'est reparti en couille. Ces gars sont attaqués nos gars. J'en sais rien. Pas les criblés de balles en tout cas. Ouais, bah pour moi, nos gars passent avant tout. Manny, c'est juste des gosses. C'est pas leur faute. C'est pas la nôtre non plus. Tous ces morts, c'est à cause d'eux. Si tu le dis. Ok, mais où ? Mais c'est vachement calme ici. Surveillez bien les environs. On peut monter là à la corde peut-être. Mais je sais plus s'il y a autre chose. On devrait être de l'autre côté de la clôture. On coupe par l'intérieur. Ouais, ça nous a vachement réussi la dernière fois. Voilà. T'as autre chose à proposer, Manny? Manny, va non. Voir en haut. Je suis juste énervé. Allez, Manny. Bouge ton fiac. Sert à quelque chose une fois dans ta vie. Câblé coincé, on dirait. Quoi? Pêche-toi, l'eau. C'est bon. Vas-y, grimpe. Ah, grimpe. Il veut que je grimpe. Cool. Fais attention. Même pas, il nous débloque la voie. Je suis très déçu. Alors ? Toujours pas de scar en vue. Ils ont peut-être laissé tomber. Tu te crois drôle ? Non. Juste optimiste. Putain. C'est vachement haut. Ouais, c'est clair. Ah bah écoute, on verra celle-là. Non, je sais pas. On va peut-être récupérer le câble en fait. je pense qu'elle serait morte. Ça aurait été drôle de voir une animation de mort sur Abby. C'est parti. Oups. Je l'ai vu partir, hein. Oh, madame. Je pense à ça. Ouais. Ok, Mel. C'est bon. Je suis à la porte. Attends deux secondes. Bon, ça a l'air d'être relativement vide. De rien. C'est par ici. Attends, les petites pilules là. Les petites pilules. Est-ce qu'on peut pas prendre un truc? Je pense pas avoir 50 encore. 26. On est loin. Faudra qu'on revienne dans le coin.
Le commandement réclame sans cesse des pièces détachées. Ah, il y a un escalier. Ok. Ça me paraît bien grand pour qu'il n'y ait pas d'infecté. Étonnamment. 200 pièces, pardon. Tu sais, mon père m'emmenait à la pêche sur un bateau comme celui-là. J'avais systématiquement le mal de mer. Je détestais ça. Manny, ne tombe jamais enceinte. Merci du conseil. Oui, elle pense carrément. D'accord. Ok. Ah, je vais pas avoir assez de capacité, rafale de tir. Je vais faire ça pour l'instant. On n'a pas tout augmenté à fond, il nous manque 28 pièces. Bon, on les aura, mais. Et plus les pilules, il m'en manque beaucoup quand même. Yep. Parce que vont tirer 3 balles, bof quoi. 3, 15. Je préférerais trouver des pilules en fait. Le bateau, ouais. Rien pour faire des îles, incroyable. Du coup, on fait quand on monte. Je sais pas, ça me paraît bien où là. Bon, on va voir là-bas du coup. Et la 40, mais bon. Je préfère me focus sur. Sur ça. On a une porte ici. What? Et donc. Comprends pas. Bah y'a rien là. Ah, y'a rien à faire là. Non. Bon, j'ai dû rater un truc. Avoir une indication de tout bien. Les deux me regardent, ils font rien. Non mais il y a autre chose à faire. Ok. Je me souviens où il fallait aller sur le bateau. Oui, c'est complètement pété ton truc. Allez-y, je tiens. Je vais la bloquer avec un. Mais merde. Chier, désolé. Est-ce que ça va? Ouais, la poignée a lâché. Du coup. Abby, regarde. Une lucarne. Manny, bouge pas. On va trouver un moyen de grimper sur le toit. Ok. Alors, t'es contente de faire partie du voyage? Si on veut. Fais-moi penser à remercier Manny. Je suis contente d'être avec vous. Je m'en serais voulu de ne pas avoir été là pour vous aider. Je sais pas. Faut que je fasse quoi, alors? Dis... Pourquoi tu m'évites? Je t'évite pas. Arrête, tu m'as à peine parlé depuis ce qui s'est passé à Jackson.
Je sais pas. Je crois juste que Jackson m'a fichu un coup. Tu penses que Joël méritait pas ça? Je pense qu'il méritait pire, mais j'aurais préféré ne pas y être mêlée. Je vois. Faut être cinglé pour faire ça, hein? C'est pas ce que j'ai dit. Bon, faut qu'on atteigne la lucarne. D'accord. Aide-moi à monter. J'ai une idée. Je t'écoute. Go. Ok, allez, go. C'est bon. C'est quoi ton plan? Une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Je nous sors de là. Ok, mais... vas-y doucement. L'avantage d'être enceinte, c'est que j'ai le centre de gravité plus bas que la normale. Je te crois sur parole. Attends, mais du coup, elle va m'ouvrir la porte qui est là-bas. Allez, hop. Go checker ça. J'ai réussi. Bah. Ah, d'accord. Oula. Bon, on s'en est un peu rapproché. Une échelle. Voyons un peu. On passe par le bateau ou... Ouais, on aura pas le choix. Placer. Hé, bien vu. Ce bateau me rappelle un peu celui d'Owen. Il essaie encore de le réparer? Ouais. D'après lui, c'est juste l'histoire de quelques jours. De quelques jours. Mais chacun son obsession. Comme moi, il y jouait pour chien. Ouais. Ou moi et mes pièces à la con. C'est pas ça. Il y a une passerelle qui conduit à la lucarne. Mais comment on fait pour y aller? J'ai une corde et une échelle. Parce que l'échelle, je peux la reprendre du coup. Pour la mettre où? Parce qu'en face, il n'y a pas de... Ça me paraît bizarre, ce truc là. Ok, pourquoi pas. Et on fait quoi une fois en face? Un truc là. Il n'y a pas un truc là-haut, j'espère. Ben, j'en sais rien. Comment je fais pour atteindre là-haut en fait? C'est ça que j'ai pas là. Oh, si? Cool. Non, je pensais que ça allait pas être assez long. On va voir. Non, je pensais pas que ça allait marcher. Ok. Là comme quoi. Tu te débrouilles? Ah ouais, c'est vachement beau. Ah oui, c'est vrai qu'elle a le... Surtout quand je regarde en bas. Elle a le vertige. Je me casse. Les voilà. Manny, on arrive. Ok. Regarde, notre base adorée. On y est presque. On doit pouvoir couper par la gare. Tu veux pas descendre du toit d'abord? Ouais. J'ai du mal à imaginer que tu puisses avoir peur de quoi que ce soit. Je suis pas aussi dure que tu le penses.
Arrête. Genre, je pourrais pas opérer les gens comme tu le fais. J'aurais trop la trouille de faire des conneries. Parce que tu crois que j'ai pas la trouille, moi? Ça vaut ce que ça vaut, mais mon père te considérait comme sa meilleure élève. C'est vrai? En même temps, t'as toujours dit que c'était un imbécile. Viens.